Wetland International et ses partenaires œuvrent pour mettre fin à ce problème. Le projet de réduction des désastres d'adaptation au changement climatique, de gestion et restauration des écosystèmes exécutés par Wetland Care et le Centre du climat a entamé un certain nombre d'actions, particulièrement qui vont consister à réduire en ce qui concerne l'impact des changements climatiques sur les différentes ressources. Sur le cas spécifique de Soubé, nous avons, lors de notre diagnostic, nous avons identifié quand même qu'il y a le village qui est envahi par le sable. Il y a l'envahissement du village par le sable. Il y a les maisons qui sont sous le sable. Il y a le fleuve qui est extrêmement menacé. Et nous avons vu que les villages, de façon concernée, nous avons pu faire un plan d'action pour réduire un peu l'impact sur l'avancée de ce sable. Donc nous avons identifié entre autres activités la fixation biologique. Il s'agit d'aller faire comme on appelle utiliser